Oh frérot, faudrait qu'on se pète la vraie paire de luxe, frère. Ouais, c'est vrai, même moi j'aimerais bien, mais t'as pas one. C'est vrai. Wesh, c'est quoi ça les frères? Carton Burberry. Wesh. Wow. Gucci. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Bayman, Bayman, money gang. Les frérots, comme vous venez de le voir, on a reçu des paires de luxe à 100€. Eh, vous kiffez trop ce concept. On l'a fait pour les Jordan, on l'a fait pour les TN. Maintenant frérot, on a évolué Gucci Burberry. Et pas que, regardez, on a quoi? Un sac poubelle. Non, moi ça c'est une paire. Eux par contre, ils ont pas assez coffrés, frère. Là, il y a une boîte Gucci, là, il y a une boîte Burberry. Frérot, là, t'as un sac poubelle, c'est la coupe de marijuana. Oh, on a commandé ces paires sur DHgate. On a payé, je crois, en tout 300€. Ça faisait 100€ par paire. La livraison, j'ai eu peur les gars, j'ai cru qu'on allait jamais recevoir. On a reçu au bout de 6 mois. En tout cas, oh, cette vidéo c'est pas une promotion pour DHgate ou je sais pas quoi. On a juste mis le nom du site parce que je sais que ça va nous le spam en commentaire. On vous incite à rien acheter, achetez pas là-bas. Moi je vous conseille acheter du vrai, c'est tout autant mieux. Surtout qu'on a eu pour 300€, c'est le prix de 2 paires TN, frère. Ouais, non, c'est trop une dinguerie les gars. Je sais qu'on a trop investi, mais vous kiffez trop cette série. Ouais. Et même moi les gars, ça m'intriguait trop de voir des paires à 1000€, 2000€, les acheter à 100€, ce que ça donne, frère. Oh, moi je me suis dit on va acheter une fausse paire de luxe, ce sera 20 balles comme Obled ou je sais pas où. Oh frérot, 100 balles, j'espère, c'est quoi? J'ai une médaille à l'intérieur, j'ai un trophée, j'ai un McDo à l'intérieur, frère. On va déballer, on commence par la cas des 3. Moi je trouve par celle qui est la plus atypique, frère. Là t'as Burberry, t'as Gucci, là t'as le sac poubelle. Ouais, les gars, c'est vrai que le sac poubelle, il me donne envie comme ça. Après t'as vu, les vraies boîtes, on pourra les comparer à la fin. En tout cas les frères, si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner, à activer la cloche. On pète les 300 000 abonnés. Oh, 60% des gens qui regardent ce genre de vidéo, ils s'abonnent pas. Vous attendez quoi, frère? Abonnez-vous, on fait péter les 300K. Oubliez pas aussi de nous follow sur notre Instagram, il s'affiche juste là, on spam les stories. Bref, tu connais Chifoumi pour voir qui la déballe, tu vois, parce que à chaque fois on veut la déballer. Chifoumi. Mais ah, à chaque fois il meurt. Tranquille, tranquille. Tu rappelles, c'est une fausse paire. À tout moment, elle se coupe en deux. Hein. Oh, par contre, croyez pas, parce qu'on a acheté une fois une fausse paire. Ça, c'est un faux lac d'art, ça. Hein. La tête de homme, les gars, je suis sorti dehors. Y'a un mec, il a rigolé, il m'a distillé ton partenariat. J'ai dit pourquoi? Il croyait c'était un t-shirt casino, la tête de homme. Comment ça, un t-shirt casino? Je sais pas, il devait être big. Vas-y, ah, en tout cas, c'est parti. Il a trop bu au casino, ouais. Là j'arrive à un cap, tu vois, les blagues comme ça, tu vois. Oh, c'est bon. Oh les gars, regardez la paire. S'il y en a qui ont reconnu son show, moi je l'ai déjà reconnu. C'est quoi? C'est les frères André. Simplement une paire de Louis Vuitton. Wesh. Attends, donc là on a Burberry, Gucci. Normalement le plus luxueux c'est Louis Vuitton. Et il nous l'emballe dans un sac poubelle, frère. Oh mais vous savez que Louis Vuitton, moi j'ai toujours rêvé d'avoir là. T'as vu les Louis Vuitton un peu de Jordan? Elles sont trop belles, celles que KMS là et tout. Oh. Et bah c'est exactement elles qu'on a reçues, les frères. Et par contre, je vais leur casser la bouche. 100 balles ça, ils nous l'emballent dans un sac poubelle. Ouais, vraiment ils ont abusé les frères. Et les frères, oubliez pas aussi, hein, si vous voulez des maillots de foot à 15€, lien du site en description avec le code promo NFZ, vous avez moins 15%, c'est carré. Et là, les Louis Vuitton, on va les déballer. Oh, en vrai, ça va, je vais être bien faite. Hein. Oh, tu la vois, elle est encore, elle est floutée carrément. Tu me dis qu'elles sont bien faites. Attends, s'il te plaît. Quant à ça, tu peux pas ouvrir la paire, t'es obligé de. Ah, un petit moment satisfaisant, normalement, tu fais mais... de la SMR. J'ai l'impression que c'était plus satisfaisant quand j'étais petit. Maintenant, je ressens plus de jouissement, frère. C'est bizarre. Vas-y, normalement, frère, c'est censé être ASMR, frère. Là, ça pue sa mère. Vas-y, dégage-moi ça, frérot. C'est Tom ASMR. Wesh. Oh, wesh. Petite paire de Louis Vuitton. Normalement, les autres déballages, on pouvait genre donner notre avis parce qu'on avait déjà vu une paire TN, on avait déjà vu une paire Jordan. Là, je vous mens pas, on n'a jamais eu de paire de Louis Vuitton. Ce que je remarque, c'est que niveau qualité en bas, cuir, tout ça, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, je vais les finir à partir du moment où ils m'ont mis un coussin à la place d'une languette. On dirait pas un coussin, frère? Wesh, pourquoi ils m'ont mis un matelas? Toujours le matelas, il est plus gros que chez moi, frère. Mais par contre, on regarde au niveau de la qualité de ça. Non. C'est plutôt pas mal. Le tissu. Franchement, il était bien fait. Au niveau des paires Jordan, c'était vraiment léger et ça faisait pas trop matière chaussure. Là, vraiment, il y a une vraie qualité. Après aussi, les 100 autres, balles, 100 balles. Non, pour moi, les gars, vous savez, c'est quoi qui fait cramer direct? C'est une fausse. C'est que les gars, rad. Certes, le cuir, il est bien fait et tout. Regardez, ça là, ça se voit trop que c'est plastique. Ça se voit trop que c'est du coussin. Ouais. C'est exactement. T'as vu sur les Jordan? Voilà, la Jordan blanc et rouge, celle qui était la mieux faite. Tout était pareil, sauf la languette. Et je sais pas pourquoi tous ceux qui font des fausses chaussures, ils savent pas faire des fausses languettes. Ouais. Ensuite, là, on peut voir, ça, c'est un peu plié, les gars, à force d'être emballé et tout. Ça s'est replié. Le derrière, par contre, il est magnifique. Hein. Là, c'est satisfaisant. La qualité du GH6. Vraiment, moi, ce que je kiffe là, c'est la semelle avec écrit Vuitton et tout. C'est propre, mais. Mais vas-y, en vrai, les gars, je pense que tu le crames. En vrai, tu le crames de loin. Oh, et regardez, petit détail en moins. Vuitton. Genre, il y a un il un peu blanc, je sais pas pourquoi. Ah oui, ouais. Mais les frères, la tête de ma mère, c'est quoi ça? The B, c'est carré, frère. Tu peux pas rentrer ton pied à l'intérieur. C'est du quoi? C'est du combien ça? Oh, l'étiquette. Oh, l'étiquette qui fait chauffer Estrado sur le Prado, j'ai juré. C'est quoi cette vieille étiquette?
l'étiquette mes couilles là. Oh les créateurs de la chaussure, par contre je viens de remarquer un petit quiproquo. Donc là tu regardes, tu vois l'étiquette, c'est marqué quoi? Made in Vietnam. Et tu rates la chaussure, ce que c'est cousu. Regardez bien ce que c'est marqué en cousu. Made in Italy. C'est fait en Italie ou c'est fait au Vietnam les frères? Où tu vois Italie? Là à l'intérieur, de Made in Italy. Et là Made in Vietnam. Made in Italy. Ouais ouais. Tu vas me dire c'est un petit Italien qui a fait ça. À la limite elle a été expédiée en Italie. Ah même pas. Hein. Je pense qu'elle a été expédiée dans le même entrepôt que les iPhones. Ah, c'était peut-être un peu raciste ça. Ouais, un peu, ouais. Eh, par contre, ils ont voulu faire le truc en mode collaboration off-white. Ils m'ont mis la petite étiquette. L'afro, c'est off-black, ouais. Off-white. C'est quoi ce off-white de Wish là? Bref, non, vas-y, viens, on essaye la paire, frère. Vas-y. Mais par contre, comment je fais pour l'enlever? Ouais, ils m'ont mis un cadenas, frère. Non, mais sur ma mère, c'est ça s'empêche. Ils se la raquent, vaut mieux acheter une paire telle, hein. Oh, par contre, ils sont trompés. Moi, ils devaient mettre un truc là pour la bonne forme de chaussure. Ils m'ont donné une meringue. Ouais. Ah, d'ailleurs, mais ça se mange ou? Vas-y, oh, tu l'essayes ou tu l'essayes? Vas-y, dégoûte les gars, ils croquent les trucs en plastique là. Oh, j'ai croqué, il y avait du polystyrène en dessous, j'en ai mangé, c'est dégueulasse. Ah, mais toi aussi, tu croques dans les trucs en plastique, il t'arrive à te plaindre. Non, vas-y, c'est la meilleure. Vas-y, oh, tu l'essayes ou je l'essaye? Bon, là, c'est tous les deux, t'es con quoi. Mais non, viens, mets les deux paires au pied. Vas-y, au pire, viens, essaye tous les deux. Vas-y. Vas-y, les gars. Vas-y, je vais. On va voir maintenant la confortabilité. Parce que c'est bien beau, frérot, mais si au final t'as des cloques toutes les deux secondes, tu te fous de ma gueule, c'est 44 ça. Ah, elle serre au pied. Ah, tes doigts, on a commandé du 44, c'est du 41, frère. Mais la les mères que j'avais essayé la paire de mon pote, c'était du 42, c'était la même. C'était du 41 max, 42 ça. Regardez-moi la paire, elle est bien skinny. Non les frères, vraiment là, dites-vous, je touche vraiment au fond. Carrément mon ongle il dépasse. Non, c'est vraiment une dinguerie. Par contre, dites une petite note sur 10 de la paire. Moi franchement je la valide, hein, elle passe crème, hein. Oh, bon, ça aurait été une vraie, ça aurait été mieux, mais t'as capté. Le mec qui se croit à Marseille avec une paire de Louis Vuitton. Ouais. Non, carrément, faut t'as fait une décapotable là. En tout cas, voilà la paire portée. Non, en vrai, je pense que tu crames que c'est une fausse. Mais c'est les petits détails, ouais. C'est même pas cramé que c'est une fausse. C'est moi, je vais la cramer tellement elle est gouaise, frère. Non, en vrai, pour un mec genre qui veut flex mais qui a pas les moyens, non, ça passe pas. C'est crème. Non, ça passe pas. Non, je t'assure, ça passe pas. La tête me fait trop chauffer, frère. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, tu dis flex mais t'as pas les moyens, mais quand même, tu mets 100 balles dans une paire, frère. Tu peux t'acheter une vraie paire de tennis, tu flex. Ouais, tu peux t'acheter une Air Force One et tout, frère. Elles sentent trop de balles. Ah ouais. En tout cas, confortabilité, c'est pas validé. On a commandé 44. Frérot, c'est du 41. T'es skinny à l'intérieur. J'étais en train de défaire les lacets pour qu'Eliott puisse essayer les deux paires. Et regardez ce que je vois. Les deux lacets entre eux, ils sont scotchés. Enfin, je sais pas ce qu'ils sont. Regardez, ils sont cousus ensemble. Arrête. Attends, ils ont cousu les deux lacets ensemble. Tu payes ça s'empêche, c'est autant des gags. Mais attends, je vais tout arracher là si j'enlève. Ah ouais, du coup, regardez les gars, ça a complètement niqué le lacet. Comment il a soudé le lacet ensemble? Il est trop bête ce mec. Ah bah, c'est du coup. Salut à tous, c'est Nino. Si tu vois ma dernière mixtape, swipe up. Non, on va couper ça, là, c'est Ninon là. Oh, en vrai, ça passe bien ou pas? Petit ensemble Lacoste, et là? Oh, paire de Louis Vuitton, les frères. En vrai, de vrai, t'es comment à l'intérieur? Oh, frérot, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le pied droit il me sert plus que le pied gauche, la tête d'homme. Oh, c'est pas Louis Vuitton, c'est Louis et Vuitton. Évitons, frérot, évitons d'acheter cette paire. Non, en vrai, moi je trouve que ça va, en vrai, est-ce qu'elle passe bien? Dites en commentaire, les gars, si vous pensez que ça fait cramer. En vrai, j'ai l'impression au niveau du cuir là, ça fait cramer. Sinon, en vrai, ça passe. Regardez, dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, ça va. Tu peux avoir mieux, mais ça passe. Après faut pas oublier que c'est 100 balles quand même les gars, 100 balles hein. Et quand on a commandé et j'ai vu 300 balles et je voyais comme quoi il était chaud, il recevait pas et tout, j'ai stressé hein. Ouais, mais faut pas oublier que la paire Louis Vuitton elle a 2500. Donc c'est non, elle a 1002. Ah, donc 12 fois moins cher. C'est parti pour la deuxième paire, la Gucci. Et ce qui est bien, c'est qu'on a tout simplement déjà un emballage Gucci qui est un vrai. Donc on va pouvoir comparer le vrai du faux. Déjà dites en commentaire votre avis, quelle est la vraie boîte? Normalement vous le savez parce qu'en début de vidéo frérot, il y avait la vraie. Franchement niveau boîte, la T2M par contre elle s'est super bien faite. Juste les couleurs elles sont un peu plus foncé, mais franchement en vrai ça va, c'est lien, c'est ouais, similaire. Mais là en fait c'est un dessin et là c'est de la couture, donc en vrai ça, frère, ça se voit. Vous pouvez voir dès maintenant la paire qu'on a prise. Oh, celle là je la trouve magnifique, il y a plein de gens qui l'ont. Ouais, c'est la paire faux. Quand je la vois je pense à Nasdaq ou à 4BDV, ils l'ont ouais. Chaque fois. Oh, et là on peut voir déjà petite enveloppe Gucci les frères. Et en vrai comme dans notre vraie boîte qu'on avait eu, on avait eu plein d'emboîtes, plein d'enveloppes comme ça. Regardez, des trucs de certification Gucci comme ça. Par contre on n'a jamais eu dans la vraie boîte un truc Gucci avec des trucs que des marques chinoises hein. Ça se voit bien. On se demande elle a été créée où la paire hein. Je viens de savoir les frères. Made in Italy bien sûr. Regardez-moi ça. La petite carte. Ça y est, là t'as assuré que Made in Italy.
l'Italie, frérot. Ça c'est l'assurance, frérot. Maintenant, on va voir quelle tête a la paire Gucci. Mais juste avant, frérot, t'es encore en train de regarder la vidéo et t'es pas abonné? Tu joues à quoi? 60% des gens qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés. Abonne-toi, active la cloche, fais péter les 300K. Sinon, il y aura un monstre qui va venir chez toi. Et tu peux nous sortir la paire, Elliot. Déjà, c'est beaucoup mieux emballé, les gars. Ah oui, ça fait beaucoup plus propre, tu vois. Ah bah oui, bah frérot, quand tu me sors ça comme paire, Lilian, c'est la première fausse paire que je commande entre les Jordan, les TN et les paires de luxe qui n'est pas Lilian dans un emballage tordu comme ça et tu la sors, elle sort en mille morceaux. Là, c'est propre et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence de qualité. Ah oui, non, c'est de la vraie couture et tout. Juste les couleurs, j'ai l'impression elles sont elles ont un 0 HP, t'as vu, elles ont été crack shield. Mais sinon, frère, non, la tête de homme, par contre, les gars, satisfait. Ça, vraiment, je suis content, je sors la paire. Il y a pas un petit truc à aller plus enfoncer. Non, vraiment, là, c'est de la qualité. Par contre, t'es mal à la taille de la semelle. Là, frérot, tu mets des écrasements de tête avec ça. Là, t'es sûr, frérot, il, sa tête, elle s'écrabouille. Hein. BH Gate, ils ont investi. Viens voir. Tu retires le papier. Ah ouais, le papier. Oh, par contre, je pense que t'as vu, c'est quoi le détail qui fait que c'est cramé? C'est ce qui sont pas bons, les Chinois. C'est le plastique. Ça se voit que c'est un peu du plastique, non? Genre, en gros, plastique de merde. Là, ça se voit que ça fait un peu plastique, là. Dites-toi ce que vous pensez de la paire dans les commentaires, les frères. Moi, je la trouve franchement relativement bien faite, les gars. Mais la tête d'homme, j'ai envie de la mettre, frère. La tête d'homme, les gars, je vais. Moi, je trouve ça abusé de mettre une paire comme ça. Ça fait vraiment en mode tu es flex, tu vois. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère. La tête d'homme, je vais l'emmener en vacances, je crois, les gars. Les gars, la tête d'homme, tu peux frapper quelqu'un avec, j'ai juré. Regarde le bruit que ça fait. Ouais. Mais c'est quoi ça? Je vous jure, c'est un bloc de ciment. Je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur. La merde, ça fait super mal. J'arrête. T'as cru que t'es dans Minecraft? Tu me pioches. La tête d'homme, s'il y a des chemins qui regardent la vidéo, les gars, prenez ça comme matraque. Je vous promets, ça tape mieux. Regardez un peu la semelle et tout. J'ai l'impression, par contre, elle va être vraiment pas confortable. Ah ouais? Elle va pas être confortable. T'as l'impression que c'est du parquet à l'intérieur, frère. Le sol, c'est du parquet. Made in Italy. Made in Italy. Ouais. Oh, Lilian, il est en train d'enfiler. La tête d'homme, on dirait une paire de Nike, frère. Ah, ça rentre pas. Mon pied, il est compressé, frère. Arrête, elle aussi, elle taille croquis. Au niveau de la longueur, elle est pas mal. Elle est pile à la taille, c'est parfait. Mais les gars, c'est au niveau de la largeur. Genre, frère, regarde la semelle, comment elle est haute. Ah ouais. Du ouais. Coup, t'as pas d'espace en mode, t'es compressé en haut. Oh. Non, vas-y, tu mets ça, frère. C'est des matelas taille de sécurité, du frère. Oh, ça fait vraiment chaussure de sécurité, frère. J'ai l'impression là, je vais. Oh, tu pétines quelqu'un avec ça, tu le tues, la tête d'homme. Ça, c'est les nouvelles armes fatidiques. En vrai, ça va, elle passe bien, moi, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Tête d'homme, qu'elle passe crème. Et Joël passe crème. Moi, tu sors d'arrêt comme ça, je te promets, j'ai l'impression que t'as une des vraies Gucci. Transition Gucci. Lolo, appelez-moi les gars Nasdas, la tête de Wam, là j'aime bien. T'as les frères grâce à la limite. Non les frères, petit bémol, juste c'est que t'es trop serré à l'intérieur, pareil les gars. Oh, faut vraiment prendre des tailles au-dessus, frère, quand tu commandes de faux. Mais sinon en vrai ça va les gars, ça va. Il y a pire. Bon c'est parti, on va déballer la dernière paire, c'est la paire de Burberry. Normalement c'est la plus belle les frères. En tout cas toutes ces paires, comme on va pas les mettre, il y a moyen qu'on vous les fasse gagner sur notre Instagram. Donc allez vous abonner, il s'affiche juste ici ou il est en description. Donc allez vous abonner, comme ça si on fait un concours vous sera à l'affût. Et ouais, je crois qu'on a pas assez de parler de la boîte. Oh, elle est cabossée en deux, frérot. Ils envoient une boîte dans cet état. T'as déjà vu un colis Burberry ou Gucci dans cet état, frère? Là, c'est comme Gucci, les frères. Par contre, ils ont fait un vrai effort au niveau, tu vois, ils ont mis des petites serviettes, ils ont mis des petits packaging. Ouais, ça, c'est pour l'emballer en mode. Oh. J'ai pas compris pourquoi ils t'ont donné une serviette de plage, frère, avec une paire de chaussures là. C'est pour les mettre à l'intérieur, les gars. Ça, t'as vu, ça fait les petits détails. T'as vu, on dirait que c'est rien, mais ça fait plaisir, tu vois. Et là, on a la paire. Est-ce que vous êtes prêts? Je ressens peut-être à une capote là, mais. Oh les gars, j'avais pas un sac de patates sur la tête. Vas-y, là on va sortir la paire. Oh, et elles sont emballées exactement comme les Gucci, frère. Vas-y, prends-en une, toi. Ah, par contre, elle pèse lourd. Hein. Oh, j'ai l'impression qu'il m'a donné une matraque, frère. Il fait encore plus mal le talon. Regardez la paire un peu comment elle rend, les frères. En vrai, ça va. Non, en vrai, je suis déçu. Je trouve que le truc Burberry, là, le truc comme ça, il est super mal fait. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve qu'ils ont pas super géré. Regardez, là, c'est marqué Burberry. Derrière, c'est blanc. Franchement, je trouve là, sur cette paire, ils ont pas super bien géré. Et même, regardez ma paire, moi, je sais pas si vous voyez. 100€ et la paire, elle arrive, elle est tachée. Allo, comment elle est tachée? Et je sais pas, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont mis un scratch, t'as les warrage, frère. Allo, comment ça savait pas faire des lacets ou quoi? Ça, c'est la paire de base, frère Burberry, hein. Ça, c'est pas eux qui te l'ont rajouté le scratch, t'assure. Hein. Mais c'est elle qui sent la merde comme ça. Ah ouais, ça pue. Oh frère. Là, c'est de la vraie taille 44. Là, déjà, ça me paraît beaucoup plus grand que les autres. Ouais. Oh, déjà, elle est à la taille, les frères. Niveau confortabilité, là, on y est toujours pas, les frères. Hein. Non, vraiment, c'est pas. En fait, ça se sent que c'est du plastique. Genre, t'as vu, c'est pas confortable. Alors, c'est pas un. Ouais, c'est du plastique, frère. Frère, tu marches toute une journée avec ça. Ton pied, il te ressemble à GMK après.
Là, il y a la paire de Louis Vuitton, la Gucci et la finale à Burberry. Vous préférez laquelle en commentaire? Alors, Lilian, t'es comment dedans? La tête d'homme, ça se voit, elle est pas confortable, juste à la tête. Les gars, je vous jure, elle me fait mal, mal, mal. Non, après, au niveau de la taille, elle est bien, mais elle me fait mal, frère. Je te jure, c'est. Ça se voit que c'est une fausse paire, frère. Allez, vas-y. Oh, je suis honnête, hein, la Neymar, c'est la plus moche des paires. On dirait que, frérot, ouais. Tu t'es fait. On dirait, il y a un mec qui te fait une clé de bras, frère. Il est en train de t'étrangler. C'est écrit Burrata au lieu de Burberry. Moi, franchement, pour la paire la mieux faite, je dis comme quoi, c'est la Gucci. Ouais, de loin, la plus belle et la mieux faite. Et ensuite, la Louis Vuitton, puis la Burberry. Non, moi, je trouve que la plus belle et celle que je pourrais le plus porter, t'as vu, ça serait la petite Louis Vuitton parce qu'elle passe mieux crème. Mais sinon, celle qui est la mieux faite, c'est la Gucci, les gars. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Mettez un max de like, abonnez-vous. Et puis, les gars, nous, du coup, on se retrouve avec trois nouvelles paires. Je sais pas où on va les mettre, les frères. On va les faire gagner sur Insta, je pense, c'est sûr. Et pour finir, on va mettre une note sur chacune des paires. On commence par la première, celle qu'on a déballée, la Louis Vuitton. En vrai de vrai, moi, je mettrais un petit 6,5. Moi, je mettrais un 7. 7, franchement, elles sont belles. 7. Après, ça se voit un peu au niveau du cuir et tout. T'as vu que c'est du faux, mais ça va. Un bon 7, quoi. Ensuite, la paire de Gucci. Pour moi, c'était la plus dure entre les trois à faire. Et pourtant, c'était la celle qui était la mieux faite. Donc, franchement, elle m'a bien choqué. Je mettrais un 9, les gars. Ouais, moi, super choqué. 9 ou 9,5, incroyable. Et pour finir, la Burberry, celle qui m'a la plus déçu, les gars. Moi, je mettrais un 4. Non, en vrai, un 5. Je te jure, c'est pas confortable. C'est la moins confortable. Elle est impossible à mettre. En plus, elle est mal faite. Ouais, 4, 3, même 3, frère. Après les paires TN, les Jordan et les paires de luxe, dites-nous en commentaire pour la partie 4. Vous les contestez quoi? Y'a plus rien à tester là. On va tester quoi? Les meilleures claquettes de luxe? En tout cas, si vous kiffez ce genre de vidéo, oubliez pas votre plus gros like. Abonnez-vous, activez la cloche. Vous connaissez les bails. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et prochain live. C'était Elliot et Lilian. Allez, ciao, ciao. Peace les potes. Et je m'habillerai tout en Gucci.